tu as suivi ce que le démon a dit à travers ta sœur. Hein? Cela veut dire que tu étais victime des attaques. Et si tu passais, hein, sous le lit de l'opération, tu n'allais pas sortir. Donc, il faut prier tous les fibrons, tout ce qui est à l'intérieur de vous. Comme c'est une affliction qui venait du diable au niveau de la main. Sa délivrance également est votre délivrance. Parce que tu étais connecté. C'est le diable qui t'avait affligé. Et compris ton frère. Parce que le diable a appelé votre nom. Comme quelqu'un qu'on a affligé. Et on a délivré la personne. Et tu penses que le diable peut continuer à exister dans ton corps? Hein? Non. Mets tes mains ici. Simplement, je n'ai pas dit que tu as vu que la force divine. Frère, qu'est-ce que tu as fait? Je vais le tuer. Tu l'as déjà tué. Oui. Qui es-tu? Oh, je suis... Frère, pas là, tu vois. Tu es qui? Je suis là depuis. Tu es là depuis? Depuis des années. Depuis des années, combien de temps? Depuis 2004. Depuis 2004. Qui es-tu? Qui existe dans ce corps depuis 2004? Oh. Au lieu que le Saint-Esprit existe. Frère, qui es-tu? Je suis ma fille. Tu es qui? C'est moi qui commande tous les esprits. Tu es Marie-Louelle. C'est moi qui les envoie. C'est toi qui fais quoi? Ah, c'est moi qui envoie tous les esprits. Je commande les esprits des eaux. Je commande les esprits de la terre. Détruis mes frères. Tu dis que ton nom c'est qui? Marie-Louelle. Marie-Louelle c'est qui? Hein? Where is she? Elle m'a poussé. Elle est morte. Frère, comment tu as fait pour construire le corps? On a dit que je suis là depuis 2004. Je demande comment tu as fait pour posséder ce corps? Ma fille. C'est ta fille? Oui. Tu l'as possédé d'un comment? C'est ma fille, elle habitait avec moi. Qu'est-ce que tu as utilisé pour posséder ce corps? On m'avait demandé un sacrifice de les sacrifier. On t'avait demandé le sacrifice. Et tu l'as sacrifié. Mon sacrifice. Frère! Vous étiez à combien? Et quel genre de réunion que vous avez demandé le sacrifice? J'étais avec mon père, mais mon père est mort. Maintenant, mon père est seul. Pourquoi je suis faible? Et donc, je suis en train d'être dévoilé. Parce que mon père est mort. C'était lui mon mentor. Il est mort. Il est mort. Andy Orden. Qui d'autre? Joseph. Joseph, il détruit la vie de Joseph. Il va la faire aller au Canada. Il va me voir. Andy Orden et Joseph. Qui d'autre? Ah, les autres, j'ai déjà détruit toute leur vie. Tous mes frères, mes soeurs. Je détiens leur vie. Tu détiens leur vie? Oui. Qu'est-ce que tu as fait à celle-ci? Je voulais la tuer le jour de l'opération, mais je n'ai pas pu. Pourquoi tu n'as pas pu? On a fait grand-mère, pourquoi? On a fait grand-mère, pourquoi? On a fait grand-mère, c'est moi l'aîné. C'est toi l'aîné? C'est moi. Donc tu es jaloux, on a fait grand-mère? Oui. Qu'est-ce que tu profites? Qu'est-ce que le nom de grand-mère te donne? C'est moi l'aîné, c'est moi qui dois commander. Mais c'est elle qui commande la famille, pourquoi? Pourquoi? C'est moi. Je suis venu, j'ai donné l'argent à Djabilato, elle va échouer.
À cause de cet argent qu'il lui a donné. Tu as donné l'argent à qui? Jamila tout. Elle va échouer. À cause de cet argent que j'ai donné. Je voulais tuer aussi le petit Ephraim. Mais sa mère n'a pas utilisé le même argent. Tu as donné l'argent comment? Je suis venu leur rendre visite. J'ai donné de l'argent pour eux deux. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? C'est vrai, elle était dans les salons, elle a donné l'argent à ma fille, à son fils. Et c'est par rapport à ça qu'elle est en train de dire que ma fille va échouer. Elle a fait le difficile. On va dire la vie. She will pass in Jesus' name. Amen. Yannis. Yes. What is this telling you? When they give you money, you are happy. You are moving left and right, that they have blessed you. Mm-hmm. Have you prayed on it? Mm-hmm. You just know you are spending. Tu l'as affiché avec un genre de maladie. Le fibrom, c'est ton totem. Le fibrom, c'est ton totem. Comment tu l'as donné, ce totem? Quand habité chez moi. Quand elle habité. Bon. Totem. Je t'appelle par le nom. Quitte. You will never return to this body again.